Yahoo Dimancha, donc aujourd'hui je te retrouve, je vais pas dire avec l'extrême plaisir parce que là très clairement ça me saoule de faire cette vidéo, très clairement. Je te retrouve donc pour une petite vidéo info sur le planning du mois de mars. Je fais en format vidéo même si j'ai posté sur Instagram et Snapchat le planning parce que j'ai pas posté sur Twitter ni Facebook au moment où je filme. Et comme je sais que j'ai aussi des abonnés qui n'ont que YouTube, je préfère aussi le dire ici, même si je repartagerai aussi dans l'onglet communauté de la chaîne pour te mettre le planning. Ce mois-ci, je vais drastiquement alléger mon planning sur la chaîne Ibiotaku. Pour plusieurs raisons. Premièrement, actuellement, je ne m'en sors plus depuis le début de l'année. Je pense que tu l'as vu, que tu l'as ressenti, mais je ne m'en sors plus. J'avoue aussi que j'ai merdé, entre parenthèses, en voulant. Et assez de temps d'être modèle photo parce que forcément déjà ça m'a pris 2 jours. Là, au jour où je filme cette vidéo, on est le mercredi 23 février, il est 15h43 précisément, voilà. Et donc du coup ça m'a pris aussi 2 journées, j'ai perdu des jours où je pouvais lire et j'ai pas pu lire autre. En ce moment, depuis le début de l'année aussi, j'ai dû beaucoup aller sur Bordeaux et même fin d'année dernière, novembre et décembre. Donc j'ai accumulé pas mal de retard au niveau de mes lectures et donc qui dit retard en lecture dit forcément problème pour sortir des vidéos. Donc j'ai décidé d'alléger ce mois-ci. Il n'y a quasiment pas de vidéos, très clairement, hein. Soyons honnêtes par rapport à ce que j'ai pu faire ces dernières années. Pour moi, c'est comme s'il n'y avait rien. Mais je vais lire. Je vais lire beaucoup. Je vais lire le plus possible. Sans m'en dégoûter, ne t'inquiète pas. Et justement pour, à partir du mois d'avril, revenir avec un rythme un peu plus régulier et un peu plus sérieux. Même si je sais aussi que le mois d'avril va être un petit peu compliqué pour moi, parce qu'il faut savoir que le mois d'avril, je risque de m'absenter au moins 1 à 2 semaines. Voilà, et ça ne m'enchante pas forcément. Mais je pense que j'emmènerai mon ordinateur et que je ferai du travail sur place, très clairement, parce que là, sinon, ça me saoule. Voilà. Juste te prévenir que voilà, le mois de mars, ça sera ce planning-là. Si jamais je vois qu'il y a une journée qui saute, si je vois que, etc., etc., j'irai dans la partie onglet communauté de YouTube. Je vais te montrer un visuel pour que tu vois à peu près où c'est. Et je te posterai sur Ibiotaku, du coup, des informations en plus. Sur le planning, tu peux voir aussi que j'ai mis 2 vidéos pour la chaîne Hentai. Je voulais en sortir une fin février, je n'ai pas plus, je n'ai pas pu, pardon. Et comme en février, j'ai acheté un nouveau Hentai, j'en ai acheté 2 même au total. Donc du coup, ça nous fait 2 vidéos sûres que je sortirai au mois de mars. Et après, je ne me suis pas mis plus parce que je sais que normalement, en mars, il doit y avoir les éditions Hot Manga qui vont sortir leurs nouveautés, voire en avril. Et donc du coup, je garde après la place pour ça. Sachant que j'ai aussi un animé toujours à vous présenter, que j'ai en DVD. Donc voilà, ça c'est pour pouvoir revenir vraiment en avril. Pareil, l'animé, je l'aurai regardé d'ici là. Et pour la chaîne EB World, comme tu as vu, normalement, il n'y aura pas de semaines qui vont sauter, sauf peut-être le jeudi 24, si je dis pas de bêtises au niveau du chiffre, qui pourrait éventuellement sauter. Mais il faut savoir que là, cette semaine, moi où je filme, on est mercredi. Demain, il n'y a pas de vidéo justement pour me permettre de décaler d'un cran. Et voilà. Donc, Ibi World, ça va rester en fait presque normal, sauf une semaine qui va sûrement sauter. Ibiotaku, donc du coup, vraiment, je diminue Ibiotaku pour pouvoir revenir comme il faut en avril. Parce que c'est celle où je me postais le plus, etc. Voilà. Le seul truc qu'il pourrait avoir éventuellement en plus, c'est peut-être une vidéo du coup. Achat manga, si par exemple dans les 15 premiers jours j'ai vraiment beaucoup acheté, ce qui m'étonnerait, mais bon, au cas où. Au mois d'avril, je vous ferai une vidéo pour vous informer de où j'en suis, ce que j'ai pu faire en avance, etc. Là par exemple, aujourd'hui, j'ai pu filmer une vidéo, je sais que je la sortirai qu'en avril, donc déjà j'en ai une, on va être content. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, c'est tout en gros. Voilà, je reviens en avril pour vous dire tout ça, pour vous donner plus d'informations, pour vous parler des plannings, et j'espère du coup pouvoir revenir correctement. Par contre, si petite info, comme ça je vous préviens à l'avance, cet été, à part vraiment vite fait les 15 premiers jours de juillet, comme d'habitude, où je vous parle des séries qui se terminent, tout ça, tu sais, au niveau des dates de la Japan Expo, très clairement, je n'envisage pas de faire des vidéos pendant l'été où je vous présente des titres. Ce sera plus des vidéos tag, des vidéos challenge, des vidéos extraits ou autres, mais pas de présentation de manga, comme ça me laisse aussi souffler un petit peu.
Parce que ça, à chaque fois, essayer de préparer les vidéos à l'avance, c'est tout. Et donc, c'est-à-dire lire les titres en juin, mai-juin, pour les sortir en juillet, etc. J'en peux plus, quoi. Et ça me permettra, du coup, de plus me concentrer sur la période Halloween que je voudrais vraiment pas louper cette année. Donc, voilà. Je préfère vous en parler maintenant parce que ça, je sais très bien que cet été, il n'y aura pas de présentation de titres à part les 15 premiers jours. Mais après, ce qui est donc du 15 juillet au 15 août, il n'y aura pas de présentation de titres manga. Il y aura des vidéos, par exemple, je sais pas, sélection de titres pour l'été ou des challenges, voilà, des tags, des vidéos extraits aussi, parce que ça peut, hein, très clairement. Mais voilà, pas de présentation de titres en soi. Voilà. Bref, toujours est-il, cette vidéo est donc déjà terminée. Je te mets deux vraies vidéos fun, sympas à regarder ici. Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted. Tu connais la chanson dans la barre d'infos, plus de détails, des codes promo, les liens vers mes autres réseaux sociaux, compte utile, blablabla. Bref, sur ce, à bientôt!